faire le chemin, please, at this time. Thank you. Les gars, ils éteignent toutes les lumières de l'avion. On sait même pas ce qui se passe. Salut Team Pika, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour partir en Thaïlande avec Alissa qui est juste là. C'est parti. Bon les potes, c'est parti pour le départ en Thaïlande. Départ imminent, notre avion est juste là. On va aller jusqu'en Allemagne avec celui-là. Et ensuite, on est prêt pour Allemagne, direction la Thaïlande. Regardez cet avion. Il est là les potes. Et les potes, ça y est, on a pris notre place d'avion. Regardez là, c'est le petit avion comme je vous ai dit. Ici la petite tablette. Bam, là je vais poser le PC. Le PC, et en plus le truc le plus cool, c'est que j'ai un endroit à côté de la fenêtre. C'est génial. Regardez, j'ai l'aile juste ici, c'est vraiment trop bien. Bon les potes, on a un problème parce qu'Alissa, elle est malade. Voilà, elle se sent pas bien et ça c'est pas cool. On va mettre le petit téléphone en mode avion, parce que sinon, j'ai pas envie de me cracher les potes. Bon les potes, je vais vous récapituler la chose de la situation. Là, on va en direction en Thaïlande, mais d'abord, on fait Marseille. Allemagne, où il y a 2 heures d'avion. Ensuite, on fait Allemagne, je ne sais où, je ne me rappelle plus. Où là, on a 13 heures d'avion, c'est vraiment beaucoup. Et ensuite, de l'endroit, je ne sais pas où c'est, à l'autre endroit, on a 3 heures. Et au total, avec les escales, ça fait à peu près 20 heures d'avion. Les gars, on va rester 20 heures dans un avion. Donc, je vais vous faire parcourir un petit peu le chemin de ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils nous donnent à manger, ce qu'ils nous donnent à boire, les avions, comment ils sont équipés. Celui-là, il est vraiment un peu pourrave. Oui, il n'y a pas d'écran, il y a juste un petit livre. Là, il y a notre tablette et j'ai la fenêtre. Donc, si ce petit concept de vidéo vous plaît, je sais pas si ça a déjà été fait, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner et franchement, kiffez avec moi. Et pour l'instant, il fait jour, mais après, il fera nuit et j'ai une superbe vue sur l'aile de l'avion et ça, c'est juste magnifique. Et les potes, il y a notre Anka qui arrive, c'est là où ils vont nous donner un peu à manger pour nous nourrir et vous allez voir ce qu'ils vont nous donner. Merci. Bon les potes, on avait notre petit repas, donc on avait le choix entre poulet, c'est quoi ça poulet? On avait le droit entre poulet ou fromage. On a choisi le poulet et voici notre petit sandwich. Bon Alissa l'a déjà entamé un croc. Mais franchement c'est cool, un petit goûter à 18h30, franchement c'est génial. C'est bon, il est top. Merci. Donc voilà les gars, moi j'ai pris un petit jus de pomme et Alissa elle a pris un petit coca. Bon les potes, on a décollé à 18h10 à peu près et là il est 19h30 et on commence déjà à atterrir. On arrive en Allemagne. Vous voyez pas parce qu'il y a tellement de buée, mais genre l'avion il est vraiment comme ça. Bon en tout cas premier vol, c'est bien passé. Là il doit y être. Ouais, tiens,
ses frères de l'un pour qu'il puisse. Ouais, mon gars, c'est des frères. Bah voilà les potes, on vient d'arriver en Allemagne. Maintenant, on va sortir et on va aller au deuxième avion. On prend nos petites affaires, let's go. Et bon, on sort, nous voici l'Allemagne, on est là. Merci, ah, merci. Au revoir. Bon les potes, on vient d'arriver en Allemagne. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre deuxième avion pour repartir à Singapour et c'est parti pour 13 heures de vol. Bonjour. Cet avion les potes. C'est quoi 22J, c'est là? Oh, parfait cet avion les potes. Et il y a même des coussins et des couvertures. What the fuck. Et les potes, il est vraiment trop bien cet avion. Et les potes, on est tombé sur l'avion. Parfait, regardez-moi ça. Siège baquet, genre trop bien. On a reçu des couettes avec des coussins. Ça c'est super. Et les potes, il y a une télé. Une télé tactile, c'est vraiment le turfu. Ah ouais, le cinéma et tout. Bon les amis, c'est bon, on a quitté l'autre avion à 19h30 à peu près. Là, le temps que l'escale et tout se fasse, il est 21h30 et on décolle à 22h10. Regardez, là, il y a des jeux vidéo, il y a des podcasts, il y a du sport. Et en plus de ça, les potes, il y a le wifi dans cet avion, c'est vraiment trop bien. Ça, c'est un avion Lufthansa et je suis encore du côté Hublot. Et là, je suis en plein sur l'aile. Et regardez, franchement, il y a beaucoup de films. Il y a Avatar, après il y a plein de films que j'ai jamais vu, Coco. Non franchement on est cool, on n'est pas en classe business, les classes business par contre c'était un truc de malade là-bas. Mais c'est bien là, si vous êtes trop mal, vous mettez trop là. Ouais franchement, elle est super cool et il est super grand comparé à l'autre. Donc wir erwarten dort eine glückliche Ankunft bei Temperaturen über. Bon les potes, là il est 21h51 et regardez, je viens de découvrir quelque chose. On peut voir les caméras de vol de l'avion. Regardez ça, c'est le mec qui est en train de faire des trucs en bas sur l'avion. Ensuite là, on a la caméra pour voir dessous. Et ça les potes, c'est l'avion vu de dessus. What the fuck quoi les potes, c'est incroyable. Regardez là, il y a le petit bonhomme, le petit mec là qui est en train de faire des trucs sur notre avion. Bon les potes, on va pas tarder à décoller. Et moi, il y a un truc que je savais pas que c'était un petit moteur qui faisait reculer l'avion. Ça y est les potes, là on recule, la petite machine fait reculer l'avion, c'est génial. Et les gars, on se posait une question avec Alissa, genre le carburant. Ils doivent avoir une réserve de malade pour voler 12 heures d'affilée comme ça sans refaire de l'essence. C'est vraiment un truc de ouf, un avion quoi. Regardez, je vais vous montrer l'avion vu de haut. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment trop classe. Et ici, c'est les roues avant. Et c'est vraiment trop bien. Je sais pas si vous me voyez encore beaucoup parce qu'ils ont éteint les lumières. Mais bref, il fait quand même nuit, on va voler de nuit, donc c'est normal. Et pour regarder, Alissa s'est mis sa petite couette parce qu'elle a froid. Oui. Oh, la frileuse. Il y a même les coussins. Ouais, il y a même des petits coussins, c'est vraiment trop bien. Ouais, ça va partir. Non, mais là, il va vite. Regardez les potes. On voit rien dehors. On est parti pour 12 heures de vol. Bon, là ils ont rallumé la lumière. Ça veut peut-être dire qu'on va manger les potes. J'ai vraiment hâte parce que je crève la dalle. Et je me demande bien ce qu'on va bouffer. Je vais vous montrer ça dès qu'ils nous servent. De toute façon, je vais vous montrer ça. Pour l'instant, je pense que je vais mater un petit film où je vais jouer un petit jeu sur la tablette. Je vais voir. Bon les gars, il est 23h30 et apparemment il y a le dîner qui arrive. J'ai hâte de voir ce qu'on va bouffer. Chicken. Merci.
potes. Donc ça apparemment c'est du poulet avec une petite salade, ça je sais pas trop c'est quoi, le dessert et le petit pain. Normal. Merci. Les potes, le repas il est vraiment super cool, c'est vraiment trop beau. Bon les potes, on va goûter le petit dessert, je sais pas trop c'est quoi. Ça sent un peu la cannelle et tout, ça a l'air pas trop mauvais, mais je sais pas, t'as goûté toi Lisa? T'as aimé? C'est pas mauvais? Je te le dis, 1, 2, 3. Ça a le goût de quoi? Cannelle, ouais. Ouais. On dirait un peu une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes, mais je sais pas comment. Je sais pas comment vous décrire ça. Il y a des turbulences de fou, regardez comme ça bouge. Genre je sais pas si vous voyez, je touche pas la caméra. Et ça tremble de malade et ça c'est ça depuis au moins 5 minutes. Ça bouge de fou. La caméra l'a fait se péter la gueule. Bon les gars, il est minuit 30, ils ont commencé à éteindre les lumières. Je pense que je vais pas aussi tarder à me coucher. Je vais me caler ici dans mon petit fauteuil. Je vais prendre ma petite couverture. Voilà qu'on va essayer de dormir. Et si on compte bien, ça fait à peu près 7 heures que notre aventure a commencé. Donc c'est assez long, mais ça va, je tiens le coup. Je me fais pas chier, moi je kiffe. Bref, je vais essayer de dormir et nous on se dit à tout à l'heure, à mon réveil les potes. Yo la team Vika, j'espère que vous allez bien. Le réveil, ça y est les potes, on s'est réveillé. Il est actuellement 11h30 du matin. Mais ça va, j'ai assez bien dormi. Même très bien dormi. Là, ils vont nous apporter le petit déjeuner. Et regardez maintenant qu'il fait jour sur les caméras de l'avion. On voit exactement. Je viens de recevoir notre petit déjeuner. Le truc qui est bizarre, c'est qu'ils nous ont donné du salé avec des pommes de terre, des œufs brouillés. C'est les petits déj américains. Un petit yaourt, de la confiture et ça. Merci. Les potes, voilà ce qu'on a à manger. On a de la petite. On a des œufs brouillés avec du poulet, des frites. Non, franchement, ça va, c'est pas mal aujourd'hui. C'est l'heure, faut attacher nos ceintures, on va bientôt atterrir. C'est bon, on est ready. Là, ils vont commencer à sortir les roues. On va sortir de l'avion et ensuite on va aller s'enregistrer pour prendre le troisième avion. On s'arrête pas. Il est 15h46 les potes. Au revoir. Oh comme il fait chaud. Ouais. Oh c'est quoi cette chaleur? La chaleur. Oh, les gars, il y a une chaleur mais de fou. Oh c'est humide, genre mes affaires ils collent déjà. La différence. Et les potes, regardez comme cet aéroport, il est vraiment super beau. What the fuck les potes, il y a une genre de réserve naturelle avec des fausses plantes ou des vraies plantes, je sais pas. Dans l'aéroport, il y a même des poissons.
Bon, il est 18h18 et on prend le troisième avion. Thank you. Oh, très cousy ici. Oh, ça va, vous êtes là. Bon, c'est bon, les potes, on a trouvé notre place. En plus, les sièges, ils sont... Enfin, ils sont bof, mais il y a un truc électrique. Regardez, il y a un bouton. C'est pour la radio, je crois. Je crois que c'était trop pour genre bouger leur fauteuil ou quoi, mais non, en fait. C'est une radio dans l'abattoir. Là, les potes, il est 18h30, on décolle direction Phuket. Et c'est le dernier vol, ça va durer 2 heures et après, on sera fait arriver. Après ce road trip de 24 heures d'avion avec les escales et tout, c'est super long. Il est 19h12 et je crois qu'ils vont nous apporter quelque chose à boire ou quelque chose à manger, je sais pas. J'ai pris du poulet, des fruits, il y a même de l'eau en petite boîte. Voici les potes, les nouilles, comment ça donne. Bon appétit les potes. Ça pique. Bon les potes, il est 19h44, on vient de finir de manger, ça va, c'était plutôt bon, c'était vachement pimenté, mais ça va, on a résisté. L'avion commence à descendre et il y a des putains d'éclairs en bas, c'est un truc de malade. Les gars, ils ont éteint toutes les lumières de l'avion, on sait même pas ce qui se passe. T'as eu peur toi? Ouais, j'étais en stress moi aussi. Hein. Il me retenait là, je regardais. Oh, il avait des mains. Et bon, ça s'est rallumé les potes, on est en vie. J'ai les doigts là. Enfin, on sort et on arrive à Phuket. Enfin! Bye! La chaleur, les potes, cette chaleur de ouf! Encore pire que tout à l'heure, le truc irrespirable quoi. Bon ben voilà, il est actuellement 20h20. Maintenant c'est pas fini, faut trouver les valises. Ça c'est pas gagné. Bon les potes, aussi ce qu'il faudra faire, ça va être de changer nos euros en baht. Parce que ben on est venu qu'avec 2 euros. Et apparemment c'est ça pour les changer. Ce petit truc, ils vont changer les euros en baht. Oui. Qu'est-ce que c'est? Elles sont déjà déposées là? C'est bon les potes, on a récupéré les valises, en plus c'est même pas nous on les a sorties, c'était déjà sorti. Bon voilà les potes, on vient d'arriver à Phuket, on a récupéré nos valises avec Alissa. En tout cas, j'espère que ce petit voyage de 24 heures d'avion vous aura plu. Franchement, on est crevés. Fatigué Alissa? Elle a envie de dormir. Elle a envie de dormir, voilà. En tout cas, n'oubliez pas le petit pouce like qui fait plaisir, vous abonner, de partager et nous on se dit à la prochaine. C'était Pika.